Alors, je m'appelle Jacques Greenwald, j'ai été enseignant dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur à l'Université de Genève, d'abord en faculté de droit, ensuite en faculté des sciences économiques et sociales. J'ai enseigné 25 ans l'histoire de la technique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai été enseignant au Brésil, j'ai fait des conférences un peu en Europe. J'ai milité de bonne heure dans le mouvement pacifiste et écologiste en Europe. Au fond, je suis un universitaire. Je suis à la retraite, hein. Donc je suis un bienheureux. Évidemment, je suis payé à continuer mes recherches tranquillement maintenant. Et je bénéficie, au fond, de tout ce que j'ai accumulé durant mes recherches, parce que je me moquais éperdument de ce qui se faisait en dehors de mes axes de recherche, de sorte que j'ai beaucoup engrangé, et maintenant je dois essayer de faire la synthèse. Nous trouvons dans la maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, à Bordeaux, où est organisé, et j'ai fait partie des petits trios de l'organisation, un colloque à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Vladimir Ivanovitch Vernadsky. Et ce colloque se concentre essentiellement sur les rapports entre Vernadsky et la France, car Vernadsky avait fait une partie de ses études en France, à Paris, et il était revenu plusieurs fois à Paris, et notamment une période extrêmement importante entre juillet 1922 et décembre 1925. 4 années extrêmement productives où il développe des idées qui n'ont pas eu beaucoup de succès en son temps, mais qui intéressent maintenant la planète entière, puisqu'il développait le concept de la biosphère. Alors, mon lien avec la pensée de Vernadsky, c'est l'écologie. Et plus précisément, l'écologie globale, c'est-à-dire l'écologie envisagée à l'échelle de la planète, au fond, au lendemain de l'arrivée des astronautes sur la Lune. Je fais partie, je dirais, des privilégiés qui ont eu cette émotion extraordinaire en juillet 1969, devant la télévision, l'homme qui met le pied sur la Lune. Et j'étais fasciné par cette aventure d'Apollo, la mission Apollo sur la Lune. C'était quelque chose qui ouvrait l'imaginaire et qui correspondait assez bien à mon éducation, qui avait été extrêmement marquée par Pierre Teilhard de Chardin, qui nous parlait du cosmos et de l'homme dans l'univers. Et là, ça devenait concret. Et puis, c'est à ce moment-là que le mouvement environnementaliste, comme on l'appelait aux États-Unis, écologiste, comme on l'a appelé en France, a cristallisé. Il y a un lien avec cette nouvelle vision de la vie sur Terre, avec cette décentration qu'on a depuis la Lune. Au fond, il ne s'agit pas de la conquête de la Lune, il s'agit essentiellement, à une échelle historique et anthropologique, de cette décentration qui provient de la libération de notre enfermement dedans la biosphère. Il a fallu qu'on sorte de la biosphère pour la regarder. Et cette décentration, moi, je l'avais vécue quelques années après, en étant envoyé d'ailleurs par la France en Afrique. J'ai fait mon service civil, comme d'ailleurs Bruno Latour, en Afrique. C'était une décentration à la fois géographique, mais aussi par rapport à notre ethnocentrisme, regarder un peu le parcours occidental en tant qu'occidental et non pas en tant qu'universel, une civilisation singulière. Et ce n'est pas l'homme comme ça abstrait qui va dans la Lune, c'est quand même une des grandes puissances. Les Américains, ça aurait pu être les Soviétiques d'ailleurs. C'est eux qui avaient envoyé le premier Spoutnik, le premier satellite autour de la Terre. Les Américains ont pris leur revanche en étant les premiers sur la Lune. Mais c'est la compétition de la guerre froide qui a été le grand stimulant de cette aventure spatiale dont l'une des retombées,
L'une des retombées, c'est la biosphère devient un objet d'étude sérieux. La preuve, c'est que c'est grâce à cette exploration et cette aventure spatiale que James Lovelock a sorti sa fameuse hypothèse Gaïa, qui est une reprise, sans le savoir à l'époque, des grandes intuitions de Vernadsky. Et je travaillais Vernadsky à peu près au moment où Lovelock et Lynn Margulis, microbiologiste qui avait été l'épouse de Carl Sagan, un astronome de la NASA, donc elle n'ignorait rien de l'aventure spatiale, de la planétologie comparée, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on regarde à l'échelle du système solaire, notre planète n'est pas simplement une planète comme les autres qui tournent autour du Soleil. C'est une planète singulière, c'est la seule où on sait qu'il y a de la vie. On a exploré les autres, il n'y a pas de vie. Quelle est la singularité de la Terre ? C'est la présence de la vie. Depuis maintenant, nous le savons, on ne le savait pas à l'époque de Vernadsky encore, mais il en avait l'intuition. Mais depuis le début des âges géologiques, quasiment 4 milliards d'années, la Terre a 4 milliards et demi d'années, très très vite, Terre qui se solidifie, mais qui a très vite un océan mondial, la vie va se développer dans l'océan, etc. Pour moi, l'écologie était inséparable de toute cette aventure scientifique, de la compréhension à la fois de la planète Terre en tant qu'unique planète vivante du système solaire. J'ai fait mes études de philosophie avec deux philosophes qui étaient intéressés par toute l'histoire des sciences et notamment la cosmologie. Et j'ai eu comme professeur à Besançon d'abord Jacques Merleau-Ponty qui enseignait l'histoire des idées cosmologiques. Et sa définition de la cosmologie, c'était l'étude de l'univers en tant que grand tout, en tant que totalité. Et très vite, j'ai compris que l'écologie globale, c'était l'étude de la biosphère en tant que tout, en tant qu'écosystème global, total. Alors qu'on étudiait en écologie souvent des écosystèmes, souvent très microscopiques, et on avait défini la biosphère comme la somme des écosystèmes, oubliant même que le terme d'écosystème est postérieur au concept de biosphère. Alors j'ai fait des études très fouillées d'histoire pour essayer de voir s'il y avait un lien, une phylogénèse entre le concept de biosphère qui remontait non seulement à Vernadsky, qui a écrit un livre en russe et en français sur ce thème de la biosphère, mais ce n'est pas lui qui invente ni l'idée ni le terme. C'est un géologue de l'Université et de l'Académie des sciences impériales de Vienne, donc l'Empire austro-hongrois avant la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Édouard Suss. Dans un petit livre sur la formation des Alpes, Die Entstehung der Alpen, en 1875, il y a une conclusion où il dit, la surface de la Terre est composée d'enveloppes géologiques. Alors bien entendu, l'enveloppe supérieure, c'est l'atmosphère. Ça, on le savait depuis longtemps, depuis Aristote même, on utilise le terme d'atmosphère. Et Suss introduit deux néologismes, et un troisième, c'est l'hydrosphère, la totalité des eaux, les océans, les fleuves, toutes les eaux autour de la Terre, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des roches, la lithosphère, et il ajoute, et il y a une sphère autonome en interaction avec l'hydrosphère, l'atmosphère et la lithosphère. La lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. Donc il situe très très bien et il donne même une métaphore. Donc il introduit l'idée de biosphère avec une métaphore, c'est-à-dire avec une image. Il dit, regardez la plante, elle enfonce ses racines dans la terre pour tirer les éléments nutritifs, elle a besoin de l'eau et elle s'élève dans l'air pour respirer et notamment assimiler le gaz carbonique. Donc c'est magnifique cette idée de biosphère, mais elle n'a aucun succès à l'époque parce que c'est dans un livre de géologie et les biologistes
ne lisent pas la géologie depuis une époque de séparation des disciplines, oubliant, par exemple, que Darwin est avant tout un géologue, membre de la Geological Society. Il fait des contributions de géologie et il est connu comme un biologiste. Bon, alors qu'en fait, il est un grand naturaliste. Donc, je me suis intéressé, en remontant l'histoire, à ce processus de spéciation des disciplines qui se séparent les unes des autres. Et en remontant, on retrouve l'unité de l'histoire naturelle qu'on a méprisé au XXe siècle en disant c'est du passé, maintenant c'est la biologie moléculaire, la géophysique, etc. Et on a découpé les disciplines et donc on a perdu ce sentiment de la nature dont parlait Goethe, dont parlait Alexandre Humboldt, qui sont des inspirateurs de Vernadsky. Vernadsky est dans l'héritage direct de Goethe, de Humboldt, de Haeckel, d'Okushaïev, qui invente la science des sols en Russie, donc la pédologie. Il est d'abord un assistant de Dokushaïev, il est d'abord un pédologue. Donc ce qui est intéressant chez Vernadsky, c'est qu'il relie très très bien à la fois la microbiologie des sols et le cosmos, et il voit bien que la Terre, à sa surface, a une enveloppe vivante à l'intérieur de laquelle vivent tous les organismes vivants et hors de laquelle la vie n'est pas possible. Donc il fait le lien entre, au fond, le macrocosme et le microcosme. Il revient à une vision presque renaissante, quelque chose qui est très grandiose. Et à Paris, il rencontre un type qui avait aussi des idées assez grandioses déjà, qui s'appelle Pierre Taillard de Chardin, qui à l'époque est professeur de géologie, paléontologue, et qui a un grand ami intime qui s'appelle Édouard Leroy, philosophe qu'on a totalement oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque était quand même connu, puisqu'il était un mathématicien qui rivalisait avec Poincaré, et il était surtout le meilleur interprète d'Henri Bergson, son suppléant et son successeur à la chaire de philosophie du Collège de France. Donc, il y a là une histoire, des éléments de l'histoire des idées qui étaient dispersés, qui étaient oublié, lacunaire, et j'ai essayé depuis une trentaine d'années de rassembler tout ça pour faire quelque chose de cohérent, mais j'ai mis du temps, hein, j'ai mis du temps. Alors, ma chance, c'est, j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat sur les questions de la thermodynamique, de l'entropie et de son influence dans le bouleversement des idées dans la deuxième moitié du 19e siècle. J'étais un écologiste fervent, donc le mot biosphère m'était connu, mais je le mélangeais encore un petit peu à l'époque avec la notion qu'avait véhiculé Taillard de Chardin. Et encore aujourd'hui, je pense qu'en France, beaucoup de gens mélangent Taillard de Chardin et Vernadsky à propos de la biosphère et de la noosphère, dont on pourrait parler peut-être après. Et donc je suis un client assez assidu de la grande librairie des PUF, qui n'existe plus, Place de la Sorbonne. Et à l'époque, je fréquentais le rayon Histoire des sciences, épistémologie, philosophie des sciences, où je trouvais des vieux bouquins pas chers, qui étaient dans mon budget. Et je tombe sur la biosphère de Vernadsky, tout neuf, jamais lu, jamais touché, à un prix dérisoire. Je ne sais plus combien, mais c'était... C'était pas plus de 5 francs, enfin, c'est tout si on m'a pas payé pour le prendre, pour se débarrasser de ce bouquin qui traînait là depuis des années, quoi. Et j'étais très intrigué par ce livre. D'abord, j'étais émerveillé de trouver ce livre. Dans la préface, je vois que c'est marqué « C'est la suite de la géochimie », donc je m'empresse de chercher chez les bouquinistes la géochimie, qui avait été publiée en 24, alors que la biosphère en français datait de 29. Je finis par lire la géochimie, par trouver la géochimie, et ces deux bouquins, il faut les lire ensemble. Parce que dans la biosphère,
Vernadsky dit « je ne donne pas de références bibliographiques, elles sont déjà dans la géochimie ». Autrement dit, sous-entendu, vous n'allez pas comprendre la biosphère si vous ne commencez pas par lire avec toutes les références historiques et bio-bibliographiques ma géochimie. Et la géochimie, c'était les conférences qu'il avait données en 1922-23 à la Sorbonne. Invité officiellement par le recteur de la Sorbonne, de l'Université de Paris, il n'y en avait qu'une à l'époque, qui s'appelait Paul Appel, qui était un mathématicien très connu, ami d'Émile Borel, d'un petit groupe, le milieu des sciences physico-mathématiques à l'époque était extrêmement étroit, et Vernadsky arrive dans ce milieu-là. Il est très ami déjà avec Alfred Lacroix, minéralogiste qui travaille au muséum, et qui était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont le même âge, ils sont nés tous les deux en 1863. Et donc Vernadsky est accueilli à Paris dans le sein des saints de la communauté scientifique. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas la biosphère qui intéresse le milieu scientifique français, ni même les autres. Il fait un voyage en Angleterre, il va deux fois en Angleterre. Pour un congrès de géologie, il va au Canada, à Toronto. Du Canada, il va à Washington, où on a fait un grand laboratoire de géophysique. Partout, il essaye de parler de la biosphère, comme de l'enveloppe qui a été créée par les êtres vivants. Donc, on voit bien une intuition qui anticipe sur cette fameuse théorie Gaïa de Lovelock et Lynn-Margulis. Mais il n'a pas de succès, et il a tellement peu de succès avec son idée qu'il finit par se dire « j'ai pas d'avenir en Occident, eh ben, la mort dans l'âme, j'aime pas du tout les bolcheviks, mais je rentre dans la nouvelle Russie, c'est-à-dire l'URSS ». Il part de France en 25, fin 25, il va à Prague, où réside son fils, qui a décidé, lui, de quitter la Russie, à vrai dire l'Ukraine, où il s'était un peu réfugié contre l'armée rouge. Il était du côté de l'armée blanche. Et une année après la visite, qui est la dernière visite de ses parents à Prague, il décide de partir aux États-Unis. Donc le fils émigre aux États-Unis. Il a une sœur également qui a rencontré un archéologue, égyptologue, ils vont voyager, j'ai un peu eu beaucoup de peine à suivre la trace, mais la fille va aussi émigrer aux États-Unis. Et les relations entre la Russie, même la Russie bolchevique, que la France a reconnue vers 1925 officiellement, finalement tous les gouvernements occidentaux ont fini par admettre cette nouvelle Russie révolutionnaire, communiste, anticapitaliste, etc. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire d'anachronisme. Les relations scientifiques ont continué jusqu'à la fin de la guerre. Et la fermeture de l'URSS, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc faisons pas d'anachronisme en croyant que les Russes étaient complètement isolés du monde occidental. Il y avait des incompréhensions, des malentendus, mais les relations étaient extrêmement importantes. Et notamment, Vernadsky, le père, a toujours eu une correspondance très étroite avec son fils qui était à Yale University, où il rencontre un grand naturaliste anglais émigré aux États-Unis qui s'appelle George Evelyn Hutchinson. Hutchinson va devenir le pape de l'écologie scientifique et grâce à son collègue professeur d'histoire russe, il va avoir accès directement au texte du grand savant qui a développé la conception de la biosphère, les cycles, l'étude quantitative des cycles bio-géochimiques, donc des cycles géochimiques avec l'intervention de tous les êtres vivants, y compris microscopiques, à la fois dans les océans, dans les sols, etc. Donc Hutchinson a un accès direct, il y a une filiation directe de l'écologie scientifique américaine par rapport à Vernadsky. Et bien entendu, pendant la guerre froide, c'est quelque chose qui va être complètement éliminé
des discours officiels, on ne cite pas Vernadsky, on finit par l'oublier, et on le redécouvre à l'époque, au fond, de la glasnost et de la perestroïka de Gorbatchev. Ce n'est pas tout à fait nouveau, au sein de l'Académie des sciences de l'URSS, il y avait toujours un petit groupe de fidèles qui entretenaient la mémoire de Vernadsky, l'héritage de Vernadsky. Mais ça éclate au grand jour grâce à l'ouverture de Gorbatchev en 88. Il y a eu un grand colloque en 88 à Moscou et à Kiev pour redécouvrir Vernadsky. Et moi, je l'avais redécouvert quelques années auparavant. J'étais déjà connu des Russes et des Américains, et donc j'ai été invité. Mais je n'ai pas voulu y aller, parce que c'était l'URSS. Et je ne voulais pas qu'on m'accuse ensuite. Ouais, mais tu vois, la preuve que tu es communiste, c'est parce que tu vas en URSS. Bon, je ne voulais pas de ça. Mais je travaillais à l'époque avec un grand écologiste, un géobotaniste, Nicolas Polounine, un personnage fabuleux, fabuleux, qui avait une fortune, qui avait deux appartements l'un sous l'autre, les bureaux avec plein de bouquins et tout, et puis en dessous, des salons magnifiques avec des tableaux de Picasso. Alors là, j'ai compris d'où venait l'argent. Quand M. Polounine avait un petit problème, il décrochait un tableau, mais je lui dis, mais d'où vous avez ces tableaux de Picasso? Mais c'est mon père! C'est un copain intime de Picasso. Ils travaillaient ensemble pour les ballets russes de Diaghilev. On oublie que Picasso avait une jeune épouse qui était une danseuse des ballets russes de Diaghilev. Donc, à travers ce personnage d'origine russe, Nicolas Polounine, je me suis retrouvé dans un groupe de travail à la fois sélect et discret. Pas secret, mais discret. Mais avec un titre extrêmement audacieux, The World Council for the Biosphere, le Conseil mondial pour la biosphère. C'était en fait une petite ONG. Mais où il y avait Jacques Picard, qui avait exploré le fond des mers à 11 000 mètres de profondeur, où il avait trouvé de la vie. Donc il avait vu physiquement les limites de la biosphère. Il y avait des gens dont on a parlé là au colloque, comme Victor Kovda, qui était un disciple de Vernadsky, un russe. Il y avait des sommités, il y avait Jack Valentin, qui était un écologiste, un limnologiste canadien, président de l'Association internationale de limnologie, qui allait dans les colloques internationaux avec une map monde sur les épaules pour dire, vous voyez, j'ai besoin d'un symbole pour vous montrer que je fais corps avec la biosphère. Donc, inutile de faire des équations et des grands discours, il faut maintenant passer, c'était donc dans les années 80, il faut passer à des métaphores, il faut passer à des signaux pédagogiques forts. Et il a fait beaucoup d'interventions, et on était très copains tous les deux. Très copains, John Valentin, c'est un type qui était merveilleux et qui a donné l'idée à Polounine. Il est venu voir Polounine en lui disant, vous avez des moyens, il faut faire une campagne pour demander aux Nations Unies une année internationale de la biosphère. On proposait ça, ça n'a pas intéressé les diplomates, les fonctionnaires des Nations Unies, ça a été un échec total. Et c'est à la suite de cet échec que Polounine a dit « Bon, on va faire un truc qui s'appelle le Conseil mondial de la biosphère », qui est en quelque sorte la préfiguration de ce que pourrait être dans quelques années, dans 10, 20 ans, le Conseil de sécurité de la biosphère. La situation deviendra tellement catastrophique à cause du changement climatique, de la crise de la biodiversité, de l'effondrement des écosystèmes marins, etc. Enfin, on sera en période de crise écologique telle que le Conseil de sécurité, au lieu de se préoccuper de la guerre et de la paix, devra se préoccuper de la guerre mondiale, comme dit Michel Serres, c'est-à-dire la guerre que nous menons avec la nature et que nous avons toutes les chances de perdre, car la nature est finalement beaucoup plus forte que nous.
L'itinéraire de Lovelock est extrêmement intéressant. Au début des années 60, il est un chimiste. Il invente des instruments pour détecter des corps extrêmement minuscules, des gaz en trace dans l'atmosphère. Il s'intéresse à l'ozone stratosphérique, etc. Enfin, c'est un inventeur, c'est un touche-à-tout. Et il se fait connaître de la NASA, il reçoit une lettre du directeur de la NASA qui lui dit « On a besoin de votre expertise à Pasadena, où on a une équipe qui cherche à élaborer le protocole pour savoir, au fond, quand on ira sur Mars, comment il faut faire pour voir s'il y a de la vie microscopique. » Et bon, tout heureux avec sa famille, ils partent aux États-Unis au début des années 60, travaillent dans ce groupe de la NASA qui cherche la vie sur Mars, et très vite, il va dire aux gens de la NASA, ben, il n'y a pas besoin d'y aller sur Mars. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars, parce que s'il y avait eu de la vie aurait transformé l'atmosphère comme elle l'a fait sur la Terre. S'il y a 21% d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, c'est la vie qui a introduit cela dès les cyanobactéries, les stromatolites, il y a 2,5 milliards d'années, qui a rempli, qui a pollué l'atmosphère avec l'oxygène et qui a pompé réciproquement une grande partie du gaz carbonique. Il y avait énormément de gaz carbonique qui servait d'ailleurs de gaz à effet de serre et qui réchauffait la Terre alors que le Soleil n'était pas encore à sa pleine puissance. Donc ça compensait. Donc il avait une réflexion planétologique qui intéressait son voisin à Pasadena qui s'appelait Carl Sagan. Et Carl Sagan, avec une ex-épouse qui était une géniale microbiologiste, qui va écouter Lovelock, et à eux deux, ils vont développer ce qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Les premiers textes sur l'hypothèse Gaïa, ça date de 1974, il y a trois textes dans la même année qui sont publiés par Lovelock et Margulis, Margulis et Lovelock. Donc, j'ai toujours trouvé dommage qu'on oublie Lynn Margulis dans cette affaire, car il y a le père et la mère pour faire un enfant. Hein. Donc, il ne faut pas oublier la mère. L'hypothèse Gaïa, c'est la rencontre, essentiellement, de James Lovelock et de Lynn Margulis. Lynn Margulis, qui n'ignorait rien, ni de la microbiologie, c'était sa spécialité, ni de la planétologie, puisqu'elle avait été 6 ans l'épouse d'un grand astronome, planétologue de la NASA, grand vulgarisateur de la science aux États-Unis et même en France, on l'a traduit en français, Carl Sagan. Et bon, moi je connaissais les travaux, j'étais enthousiasmé par les travaux de Carl Sagan et j'ai découvert donc assez rapidement les textes de Lovelock et de Lynn Margulis. Et dans le groupe écologiste européen dans lequel j'étais, qui était séparé du groupe de Polounine, qui était un truc qui s'appelait Ecoropa, dans lequel il y avait un Anglais qui s'appelait Edward ou Teddy Goldsmith. Et Goldsmith, qui avait sa grosse maison en Cornouailles, voisin de Lovelock. Ben, dans une réunion qui s'est d'abord passée au Luxembourg, l'idée est arrivée qu'on va faire un colloque sur Gaïa. On va faire un colloque sur Gaïa et moi j'amènerai ce que je sais de Vernadsky et de la biosphère. Parce que Lovelock, il ne connaissait pas. Donc il a introduit un nouveau terme tout simplement parce qu'il croyait que le mot biosphère signifiait seulement la somme des êtres vivants. On trouve ça dans beaucoup de bouquins de biologie. Un Jacques Monod dans « Le hasard et la nécessité » utilise le mot « biosphère » sans arrêt. Mais pas du tout pour la biosphère écologique, mais pour la biosphère, la somme des êtres vivants. Au fond, tout en étant contre Teilhard de Chardin, Monod lui reprenait sa terminologie réductrice et avait une vision moléculaire de la vie qui a fait barrage à cette vision holistique, globale. La vie n'est pas quelque chose comme ça qui est posé sur la surface de la Terre. C'est un énorme mécanisme de solidarité entre différentes espèces liées avec des cycles chimiques. C'est un phénomène planétaire, tellurique,
de signification cosmique, puisque si on vient de l'espace, le visage de la Terre n'est pas le même que celui des planètes où il n'y a pas de vie. Donc c'est une planète où il y a de la vie, c'est unique, c'est extraordinaire. Il y a même un grand livre à l'époque de vulgarisation fait par des Japonais et des Américains. C'était une émission de télévision qui s'appelait Planète Miracle. C'était le moment aussi où, dans la communauté scientifique, on développait les conséquences environnementales d'une éventuelle guerre nucléaire, même petite guerre nucléaire. Et la conclusion, c'était l'apocalypse. Crutzen était dans cette affaire. Carl Sagan aussi. Carl Sagan était très courageux, parce que, bien entendu, ça ne plaisait pas du tout au Pentagone, aux militaires. En France, l'écologiste François Ramade a parlé de l'hiver nucléaire, il s'est fait taper sur les doigts à l'époque. Enfin bref, ça dérangeait terriblement. On était quand même encore dans la guerre froide à l'époque. C'était encore débat Est-Ouest. Donc, c'est assez difficile à expliquer tout ça parce que c'est extrêmement complexe, mais moi j'ai eu vraiment la chance d'être au carrefour de ces différents groupes qui ne se connaissaient pas entre eux, et j'ai essayé de faire le lien, de cristalliser et de dire à Lovelock et à Lee Margulis, mais vous inventez un nouveau mot, mais il y en a déjà un, biosphère. De même que j'ai récemment dit à Michel Serres, mais pourquoi tu arrives avec BioG ? La BioG, c'est la biosphère, c'est la même chose. Oui, mais il m'a dit, la biosphère, c'est trop géométrique. J'ai dit, non, ce n'est pas une notion géométrique, c'est une notion géologique. C'est l'enveloppe de la Terre. Or, la Terre, vue de l'espace, elle paraît ronde. On sait très bien que géométriquement, elle ne l'est pas. Elle est aplatie au pôle, elle est enflée à l'équateur. Donc, elle n'est pas géométriquement une sphère. Donc, n'attachons pas trop d'importance aux mots, ce sont les concepts qui nous intéressent. Hein. Les mots ne sont pas des concepts. Alors, l'ambiguïté autour de ces mots biosphère et Gaïa, écosphère, on avait aussi introduit l'écosphère, en flagrante ignorance de l'enseignement de Vernadsky. C'est un Américain et un Belge qui ont sorti cette histoire de l'écosphère. Et j'ai vu dans l'œuvre que j'avais suivie très attentivement du grand biologiste et environnementaliste américain Barry Commoner, qui est mort il y a peu de temps, dans un premier bouquin sensationnel, très contestataire, vraiment des 60s, Science and Survival, traduit en français par « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?» au seuil. Il utilisait bien le mot « biosphère ». Mais la mode, ensuite, au début des années 70, aux États-Unis, c'est tout est éco, écosystème. Et alors, il va abandonner le mot biosphère et il va reprendre ce néologisme affreux d'écosphère. Tout ça fait que Lovelock a persisté avec Gaïa en disant « Oui, mais il n'y a pas de définition unanime, sérieuse, il n'y a pas de consensus autour de la biosphère. » Et il a raison, il n'y a pas de consensus sur la définition de la biosphère. Le terme de biosphère est utilisé selon les disciplines, selon les auteurs, avec des sens extrêmement différents. Et tous les gens qui sont un peu philosophes savent que les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des usages, comme disait Wittgenstein. Et là, on a un cas flagrant. Or, ce cas d'un mot utilisé dans des sens très différents, c'est une catastrophe pour la science. Parce que ça empêche l'interdisciplinarité, ça empêche la transdisciplinarité. Or, ces notions d'interdisciplinarité et transdisciplinarité, moi, je les avais apprises personnellement de l'un de mes maîtres à Genève, qui était Jean Piaget. J'avais été, dans les années 60, un élève, et ensuite j'ai été un ami de Jean Piaget sur ces questions, et je me souviens très bien que j'avais fait devant lui un petit dessin, il y a pluridisciplinarité, en dessous il y a interdisciplinarité, au-dessus il y a transdisciplinarité. Il me dit, la transdisciplinarité, ça, c'est la vraie connaissance. Et puis moi j'ai ajouté, oui mais au-dessus de la connaissance, il y a encore un autre niveau, c'est la sagesse. Ça ne suffit pas la connaissance si on n'a pas la sagesse. Et là on rejoint la magnifique formule de Michel Serres, bon, on a maîtrisé la nature, mais on ne maîtrise pas la maîtrise de la nature.
Pour moi, l'Anthropocène n'était pas une très grande nouveauté, parce que je connaissais bien la littérature, à la fois géologique, paléontologique, enfin d'histoire naturelle, qui, depuis Buffon, parlait des différents âges de la Terre, et que récemment, il y avait une nouvelle espèce animale, qui était l'homme, Homo sapiens, et Bergson, dans l'évolution créatrice, 1907, disait que l'homme était surtout homo faber, plus que homo sapiens. Et Vernadsky, lorsqu'il était à Paris, reprend, est enthousiasmé par la philosophie de Bergson, et dit que la biosphère est désormais transformée par l'activité technique de homo faber. Hein, homo faber, c'est l'homo technologicus, c'est l'homme technicien, c'est l'activité à la fois industrielle, économique. L'économie brasse de la matière et de l'énergie, et cela a une dimension géologique. On perce des canaux, le canal de Suez, le canal de Panama, c'est quand même des transformations d'ordre géophysique. On fait fondre les glaciers, etc. Enfin, bref, dès la fin du 19e, début 20e siècle, il y avait un certain nombre de géologues et de naturalistes qui avaient pris conscience de l'impact de plus en plus puissant, plus lourd de l'activité, comme on disait à l'époque, de l'humanité civilisée. Sous-entendu, depuis la révolution industrielle, depuis moi, ce que j'ai appelé la révolution thermo-industrielle, parce que c'est plus le 19e que le 18e, il faut arrêter, il faut cesser de parler de la révolution industrielle du 18e siècle. Adam Smith, il va à cheval, à pied, en bateau à voile, c'est absolument pas un paysage industriel, et il n'a pas vu la révolution industrielle, tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Donc, il n'est pas plus imbécile qu'un autre, au contraire, c'est un des types les plus intelligents de l'Écosse du 18e, il ne parle pas de la révolution industrielle parce qu'il n'y en a pas. Bon. Donc, faisons très attention. Or, il se trouve que Paul Crutzen, qui est prix Nobel de chimie, mais pas prix Nobel de littérature ou prix Nobel d'histoire, a raconté dans un fameux petit texte, La géologie de l'humanité, qu'il a sorti dans la grande revue britannique Nature, La géologie de l'humanité, l'Anthropocène commence avec le brevet de la machine à vapeur 1784 de James Watt. Pour un historien, ça ne tient pas la route. Pour un historien des techniques, c'est presque une stupidité, c'est un anachronisme. Une machine à vapeur ne fait pas plus la révolution industrielle qu'une hirondelle fait le printemps. C'est au moment où ça bascule, c'est au moment où on abandonne les moulins, où on abandonne les chevaux, où on abandonne finalement toute cette civilisation néolithique qui, pour les géologues, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. Et l'Anthropocène, c'est le moment où on sort du néolithique. Or, cette sortie du néolithique, ben, y avait des géologues qui en parlaient au début du siècle, quand Vernadsky était à Paris, qu'il discutait avec le roi et avec Teilhard de Chardin, cette idée qu'on sort à peine du néolithique, que, il y a encore, quand on dit que la moitié de l'humanité vit dans des villes, sous-entendu, la moitié de l'humanité vit à la campagne. Et il y a encore quand même beaucoup de paysans, on les oublie. Donc il ne faut pas oublier que l'Anthropocène, on est en train d'y entrer. Alors, on se dispute un petit peu, ça commence quand? Mais à l'échelle géologique. C'est des disputes qui n'ont pas beaucoup de sens, puisque les géologues ont l'habitude de parler en millions d'années, en tout cas en centaines de millions d'années. Hein, les cycles glaciaires, etc., du Pléistocène, c'est 100 000 ans, c'est avec des sous-cycles de 42 000 ans, 28 000 ans, etc., 24 000 ans. Bon, l'Anthropocène reprend un débat qui avait été initié à la fin du 18e, à la fin du 19e et début du 20e, surtout début du 20e, après la Première Guerre mondiale, dans ces discussions-là, très intéressantes, entre Vernadsky, Teilhard de Chardin et Édouard Leroy. Et ils ont inventé un nouveau concept qui est la noosphère. Malheureusement, il y a eu un malentendu entre ces gens. Il y a d'un côté des fervents catholiques assez traditionnalistes quand même,
que sont le jésuite Teilhard de Chardin et le professeur de philosophie à la Sorbonne, Édouard Leroy. Ils ont une interprétation assez idéaliste de la noosphère, tandis que Vernadsky, la noosphère ne sort pas de la biosphère. C'est une transformation humaine, c'est la continuité de l'évolution biologique à travers une espèce animale qui transforme, qui continue à transformer les cycles biogéologiques. Tandis que chez Teilhard de Chardin, c'est la sortie de l'homme de la nature. L'homme est au-dessus de la condition animale. Il y a un grand débat philosophique aujourd'hui, en quel sens l'homme n'est plus une espèce zoologique et il est une exception dans la nature. Il y a un fondement religieux, judéo-chrétien, évident là-dedans. D'où les difficultés des discussions avec les scientifiques aujourd'hui. On revient avec la théologie naturelle, on revient avec l'imprégnation d'idées extérieures à la science qui nous viennent des mythes, etc. Donc le débat, il est passionnant, il n'est pas si nouveau que ça. On est plusieurs avec l'esprit un peu historiographique. On essaye de faire la préhistoire en ce moment du concept d'anthropocène. Et c'est passionnant parce qu'on réveille des pans entiers de l'histoire, des sciences et des idées qu'on avait tout simplement oubliées, quoi, qui étaient dans les fossiles, les strates géologiques, on les avait oubliées. Mais alors ça revient avec une échelle de temps très différente, avec un recul qui est celui de l'observation de la biosphère par l'espace. En France, il y a eu une trilogie magnifique d'André Le Beau, qui était un ancien de la Météo France et du CNES, donc des domaines de l'espace. Il a écrit des beaux livres sur cette prise de conscience qu'on a aujourd'hui. On est enfermé dans la biosphère. Il a un de ses titres, un des trois titres, c'est l'enfermement. L'enfermement. C'est une notion qui convient très très bien. La biosphère est une enveloppe, non pas qui nous enferme. C'est une cage dorée, on ne doit pas l'oublier. C'est pas une prison, c'est un refuge dans l'univers qui est froid, qui est hostile à la vie. Dès qu'on sort de la biosphère, on meurt instantanément. Si on a été sur la Lune, c'est avec des scaphandres qui nous protègent du froid, qui nous donnent tous les éléments nutritifs, les gaz nécessaires pour respirer, pour évacuer les déchets, etc. Bref, c'est un appendice de la biosphère, un appendice artificiel qu'on a envoyé sur la Lune. Mais il y a bien un cordon ombilical qui relie les astronautes à la Terre. Je crois que c'est vraiment l'aventure spatiale qui nous a beaucoup aidés à comprendre la dimension cosmologique de la biosphère en tant que planète vivante, extraordinaire, unique. Il n'y a pas de comparaison. Jusqu'à présent, on cherche les autres planètes, mais c'est des paramètres géophysiques totalement, je veux dire, soit très chaud, soit très froid. Mais surtout, il n'y a pas de cycle bio-géochimique. Enfin, bref, on est en train de redécouvrir quelque chose qui pourrait sembler du géocentrisme. La révolution copernicienne avait envoyé la Terre dans l'espace, alors qu'elle était avant au centre du monde, et on nous dit qu'elle tourne autour du Soleil. Voilà, ça c'est la révolution copernicienne. Mais aujourd'hui, on revient à l'idée, mais non, la Terre n'est pas une planète comme les autres. La Terre est une planète vivante. Et c'est ça que Gaïa a réussi à lancer dans le public, en osant une métaphore qui relie la science au mythe, qui relie la science à l'antique déesse de la Terre-Mère. Donc ça a agacé le milieu scientifique, mais je pense que culturellement, c'est extrêmement significatif, et philosophiquement, on n'a pas fini de réfléchir sur ce retour du mythe avec la recherche scientifique la plus poussée, la plus avancée. Il y a moins de contradictions que l'on croit, où il y a autant de mythologie dans la science actuelle qu'il y avait de savoir pertinent dans les mythes de l'Antiquité. Je pense que je n'aurais pas travaillé très vite, immédiatement même, sur l'anthropocène si derrière
j'avais pas eu ce parcours de réflexion sur ce qu'est la révolution industrielle par rapport à l'âge néolithique, donc le basculement de société entre des civilisations agraires que nous, modernes, nous avons appelées traditionnelles, et le néolithique, j'ai appris que c'était l'Holocène, et la période très récente de la révolution thermo-industrielle, où là on change complètement de source d'énergie. On n'est plus dans les cycles de la nature, donc de la biosphère. On va chercher dans les poubelles de la biosphère les gisements de carbone fossile, que sont le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Donc, la révolution industrielle, on peut l'interpréter comme un changement de mode de vie d'une partie de l'espèce humaine par rapport au fonctionnement cyclique de la biosphère, pour montrer qu'on sort des cycles naturels de la biosphère. On ne sort pas du système Terre, on ne sort pas de la Terre, mais on est en train de perturber la stabilité séculaire. Il suffit de rechercher dans le passé les 1000 dernières années où en était le niveau du CO2 dans l'atmosphère, la concentration moyenne du CO2 dans l'atmosphère. Elle est plate. C'est de l'ordre de 280 ppm, ça c'est le niveau pré-industriel depuis plus de 1000 ans. Et très très vite, à partir deuxième moitié du 19e siècle, mais ça s'accélère après les années 50, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute le pétrole au charbon, et que les courbes deviennent surexponentielles, grande accélération. Mais bon, ce thème de la grande accélération, il est au cœur maintenant du débat sur l'Anthropocène, mais ce n'est pas nouveau. En France, nous avions un épistémologue, un philosophe qui réfléchissait sur l'évolution, François Meyer, un ancien doyen de la fac d'Aix-en-Provence, un Taillardien, quelqu'un qui avait rencontré Taillard de Chardin et qui avait fait sa thèse avec Gaston Bachelard, et qui, c'était l'obsession, sa grande découverte, c'était l'accélération de l'évolution. Alors, Meyer avait une interprétation continuiste, c'est-à-dire l'accélération veut dire qu'il y a continuité de l'évolution. Tandis que le concept d'anthropocène voudrait insister davantage sur la rupture. Voilà. Alors, cette rupture, pour moi, elle correspond à ce que j'ai appelé la révolution thermo-industrielle. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré un grand économiste, dissident, hétérodoxe, qui avait fait sa thèse de doctorat à Paris en 1930 avec Émile Borel, un spécialiste de calcul des probabilités et des statistiques mathématiques, qui était roumain d'origine, Nicolae Georgescu Răgăn, né en 1906. Il travaille... il étudie l'économie aux États-Unis, il voyage, il retourne dans son pays et les communistes arrivent au pouvoir à la fin de la guerre. Et là, il était trop lié avec les Américains, il est trop anticommuniste, il est obligé de fuir. Il s'enfuit de Roumanie, il va faire une brillante carrière de professeur d'économie aux États-Unis. Et il va dire à ses collègues américains, vous savez, on s'est trompé à la base. Dans la définition même du processus économique, nous avons oublié une loi de la nature qui concerne toutes les espèces vivantes. C'est la loi de l'entropie, autrement dit le deuxième principe de la thermodynamique. On n'en a pas tenu compte. On n'a pas tenu compte de la racine de la valeur économique. Pourquoi les choses de la nature ont de la valeur? C'est parce que avant le travail humain, il y a eu un travail de la nature qui a concentré des gisements, qui a concentré des éléments minéralogiques qui les rendent utiles à l'humanité. Ça sert à quoi d'avoir des milliards de tonnes d'or dispersées au fond des mers? Il faut tellement d'énergie pour les récupérer que ça ne vaut pas la peine. Donc ce qui est intéressant, c'est l'accès aux ressources minérales qui sont des gisements qui sont le résultat de l'activité géologique et biogéologique, parce que très souvent, ces roches
sont des concentrés grâce à des processus biogéochimiques. Et c'est le cas du pétrole et du charbon. De ce point de vue-là, Vernadsky s'était opposé à son maître Mendeleïev qui pensait que le pétrole était d'origine non organique. Vernadsky, très vite, dit c'est organique. Revenons à Georges Skouragin. Il écrit un premier grand livre sur les problèmes fondamentaux de l'analyse économique, Analytical Economics, Issues and Problems, traduit en France, 1970, pas d'écho, comprend pas. Il publie un deuxième bouquin aux États-Unis en 1971, Le processus économique, je le traduis tout de suite en français, mais il n'a pas été traduit en français, Le processus économique et la loi de l'entropie et le processus économique. La loi de l'entropie, entropy law and the economic process. Le message essentiel que Georgescu Rogan a délivré à l'humanité, d'abord bien entendu à ses collègues économistes, mais ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu comprendre. Il est venu à Genève présenter ses idées en juin, c'était précisément le 6 juin 1974, je m'en souviens comme si c'était hier, tellement ça m'a frappé. J'avais l'impression d'être en face du Galilée de la nouvelle science économique, ou bioéconomique, comme il l'a appelé. Son message essentiel, c'est de dire l'activité économique, ce n'est pas purement monétaire, ce n'est pas purement abstrait, c'est lié à des besoins concrets. Il faut s'alimenter, il faut se déplacer, il faut s'abriter des intempéries, donc il faut modifier la nature. On est bien obligé. Ce n'est pas une tare, c'est une nécessité biologique. Toutes les espèces modifient l'environnement. Donc ce thème de la modification de l'environnement par l'espèce humaine, au fond, elle m'a habité depuis l'époque où j'ai découvert l'écologie, et où j'ai rencontré, et où je suis devenu son ami très proche. Il m'a invité même chez lui aux États-Unis, j'ai habité chez lui, on a travaillé ensemble. Son idée était de dire, du point de vue physique, c'est quoi l'activité économique? Le circuit économique, dans les manuels d'économie, il est autosuffisant. Il n'y a pas de lien avec la géologie, pas de lien avec l'océanographie, avec l'atmosphère, etc. On oublie complètement la nature. Et on croit que ça tourne tout seul et que ce qui compte, c'est d'accumuler les milliards et plus ça tourne vite, il y a des États qui taxent, le PNB augmente et c'est merveilleux, tout le monde va devenir riche. Oui, mais on ne sait pas si l'humanité sera vivante avec ce système. Hein, vous mettez de l'argent en banque, votre banquier, taux d'intérêt, dans 20 ans, tu auras tant de millions. Oui, mais dans 20 ans, est-ce que tu seras encore vivant? Est-ce que tu seras encore en bonne santé? Est-ce que ton environnement ne sera pas suffisamment pollué? Tu seras malade, etc. Parce qu'on peut être très riche et malade. Bon. Donc, Georgescu a dit, mais revenons à des problèmes essentiels. Arrêtons d'être fascinés par la finance. Arrêtons de réduire l'économie à la finance. Alors que c'était un très très bon économiste, donc il n'ignorait pas les problèmes monétaires, etc. Il s'est concentré sur un aspect en disant c'est fondamental. Si on ne résout pas cela, tout le reste se casse la figure. Donc il est revenu à une description élémentaire, c'est quoi le processus économique par rapport à l'environnement. Eh bien, le processus économique, d'abord, il se situe non pas dans un espace abstrait, avec des coordonnées cartésiennes, avec des équations, se situe à la surface de la planète Terre. C'est déjà un ensemble de conditions très, très restrictives. Il faut que la température de la planète soit correcte, il faut qu'il y ait les éléments nutritifs à notre disposition. Si on veut exploiter le pétrole, pendant combien de temps on en aura, etc. Donc, il s'est préoccupé de la déplétion des ressources minérales, qui sont rares, non pas à cause du fait qu'on n'arrive pas à les payer, mais à cause du fait qu'à un moment donné, il faut plus d'énergie pour aller chercher du pétrole que l'énergie qu'on va retirer du pétrole extrait du sous-sol de la Terre. Et bien entendu, on a exploité d'abord les meilleurs gisements,
Et ça, c'était dit déjà au 19e siècle par Jevons à propos du charbon. The Coal Question, qui date de 1865, qui est un livre que cite Georgescu immédiatement en ouverture de son grand bouquin pour nous dire ben, « j'invente pas des choses invraisemblables, je poursuis une tradition qui est une tradition classique où il est évident que l'activité économique se situe dans la nature, non pas au-dessus ou hors de la nature. On est bel et bien dans la nature, il y a un métabolisme. Alors, Georgescu ne l'appelle pas métabolisme industriel comme le fait aujourd'hui l'écologie industrielle. Il dit simplement c'est bio-économique. Il a inventé ce mot, bon, qui existait déjà un petit peu, mais dans un autre sens. Mais il va appeler sa perspective bio-économique. Rattacher donc l'activité humaine avec le fait que les êtres humains sont d'abord et essentiellement une espèce zoologique, c'est-à-dire hétérotrophe. Nous avons besoin des plantes, des animaux, nous avons besoin d'autres êtres vivants pour nous nourrir. Nous ne sommes pas des plantes qui savons pas extraire directement notre alimentation comme ça. C'est des questions que Vernadsky s'était posées dans les années 20. Et ça, c'est très intéressant. J'ai très, très vite fait le lien entre Georgescu Rogan et Vernadsky. Alors, Georgescu Rogan ne connaissait pas Vernadsky parce qu'aux États-Unis, personne, en dehors de quelques écologistes comme Hutchinson, personne connaissait le nom de Vernadsky à cause de la guerre froide, dont les conséquences culturelles, intellectuelles, sont énormes, sur lesquelles on n'a peut-être pas encore complètement réfléchi, on n'est peut-être pas même complètement sorti de la guerre froide, hein. Mais voilà, il y a un enchaînement qui est assez logique. J'ai rassemblé avec un collègue de l'Université de Genève, on était à l'époque à la fac de droit, Ivo Rentz, on a rassemblé des petits textes de Georgescu, plus accessibles que son grand livre, qu'on n'osait pas traduire, parce qu'il faut être un professionnel de la traduction, on n'a pas osé faire ça. On a pris des textes assez élémentaires, et puis, moi, je voulais les publier sous le titre « Entropie, écologie, économie ». On a été à Paris, tous les éditeurs nous disaient non, même Jacques Attali nous a dit non, dans une lettre qui est un peu accablante pour son ego. Je l'ai raconté dans la deuxième édition, où j'ai fait une introduction pour raconter nos déboires dans les maisons d'édition. Finalement, on a trouvé un petit éditeur assez audacieux, parce qu'il était novice, à Lausanne. Et c'est dans son bureau, à la dernière minute, il fallait aller à l'imprimerie le plus vite possible. Et il nous dit, mais ça ne va pas, l'entropie, c'est trop compliqué, écologie, ça ne passera pas. Il faut trouver un autre titre. Et moi, je venais de lire, avec agacement, enfin, ça m'énervait, un livre qui s'appelait « Demain, le capitalisme ». Enfin, le bouquin ne m'a vraiment pas plu, mais je sors dans la conversation. Allez, demain, la décroissance. Ah, l'éditeur, ah, ça c'est bien, ça c'est sexy, c'est à contre-courant, ça me plaît. Et il sort demain la décroissance, demain la décroissance. Ça n'a pas eu un énorme succès, mais quand même, ça s'est diffusé en Espagne, en Italie. L'intérêt pour les idées de Georgescu Rogan, ça a commencé à faire une véritable petite internationale, un réseau, etc. C'était un petit peu avant la création de l'économie écologique, qui a eu lieu essentiellement à Barcelone. J'y étais, il y avait René Passet du côté des Français aussi. Et l'économie écologique doit beaucoup aux idées de Georgescu Rogan, y compris l'écologie industrielle. Bref, il y a une descendance des idées de Georgescu Rogan qui est tout à fait évidente. Mais la profession des économistes a fait barrage, ils n'en voulaient pas. Le dogme néoclassique est plus dominant que jamais. Or, toute la conception néoclassique de l'économie est totalement à l'opposé de ce que raconte Georgescu, car on peut dire que Georgescu a commencé sa carrière d'économiste comme un économiste néoclassique, mais comme il est rigoureux et honnête, et qu'il réfléchissait pas seulement sur les sociétés industrielles, mais aussi sur les sociétés agraires, notamment de la Roumanie traditionnelle, il a vu qu'il y avait deux modes de vie radicalement différents, il en a fait la théorie,
Et il a dit, mais la science économique néoclassique ne parle que de la civilisation urbano-industrielle. Elle oublie complètement que sans l'agriculture, on ne peut pas vivre. Donc, c'est bien joli de faire la microélectronique, tout ça, mais il faudra quand même penser à l'agriculture. Et là, on touche les grands problèmes à la fois de la biosphère, c'est-à-dire des cycles et de toute l'activité des écosystèmes terrestres qui nous nourrit, et ces problèmes un peu plus épistémologiques, plus abstraits, des rapports entre la thermodynamique, l'écologie et l'économie. Au fond, c'est au carrefour de toutes ces disciplines que se situait Georges Hugen et que se situe aussi l'héritage de Vernadsky et de sa biogéochimie, de sa conception globale, holistique de la biosphère, qui a donné naissance, il y a des manuels aujourd'hui, d'écologie globale. Il n'y en a pas en français, il s'appelle écologie générale en français, mais écologie globale qu'on devrait sans doute traduire en français par écologie planétaire. Donc revenir à cette intuition fondamentale que toute l'humanité est une espèce zoologique, hétérotrophe, on a besoin des plantes pour se nourrir, parce que bien sûr on mange de la viande, mais la viande elle vient notamment des herbivores, etc. Et on mange trop de viande, il faut réduire un peu l'allure. De même que dès qu'on a compris à la fois la fermeture et les limites, les contraintes de la biosphère et les idées de Georges Hugen sur la dimension physique de l'activité économique, on en arrive inéluctablement à l'idée que notre civilisation de consommation, de surproduction est surdéveloppée. Et si on veut rééquilibrer un peu l'humanité, où il y a d'autres qui ne mangent pas assez à leur faim, eh bien tout simplement, il faut qu'une partie de l'humanité cesse de vouloir encore grossir, faire une diète et maigrir un petit peu, autrement dit, moins consommer, moins voyager selon certains moyens de transport. Il ne s'agit pas de dire on va plus faire de voyage. Mais on va faire des voyages avec d'autres moyens de transport. Moi, personnellement, quand j'ai pris conscience du problème du changement climatique, du réchauffement de la planète, des idées de Georges Hugen, tout ça, il y a un moment donné, j'ai dit, ben, mon quota de carbone, il est épuisé. J'ai été assez en Afrique, en Amérique. Stop. J'arrête de prendre l'avion. Ça a quasiment brisé ma carrière académique. Parce que je refusais les invitations à l'étranger et dans le rapport d'activité annuelle. Mais alors, Greenwald, t'as été où cette année? Ben, c'est ça le critère d'un bon chercheur au niveau international. C'est plus on prend l'avion, plus on va dans les congrès aux quatre coins de la planète. J'ai même eu des discussions assez récemment avec un petit groupe de vice-présidents de IPCC, du GIEC. Je leur ai dit, mais vous n'arrêtez pas de prendre l'avion pour quatre coins de la planète, de faire des workshops, des ateliers de travail pour dire aux gens qu'il faudrait moins prendre l'avion. Comment voulez-vous être crédible si vous continuez à aller aux quatre coins de la planète en avion, deux jours ici, un jour là? Et j'ai un très bon copain qui fait ça. Donc, je comprends que c'est excitant, c'est très agréable d'être dans une belle ville, Acapulco, Rio de Janeiro, etc. Mais je pense qu'on doit le chercheur doit commencer à se dire qu'est-ce que je fais moi personnellement dans mon métier de chercheur et d'enseignant pour donner de la cohérence à mes idées, à ce que j'enseigne à mes étudiants, qui me rigolent au nez. Si je leur dis, excusez-moi, là j'ai un avion à prendre, je vous quitte cinq minutes avant... Vous voyez un petit peu où on en est? On est en pleine contradiction, parce que les gens qui voyagent le plus en avion aujourd'hui sont les gens les plus au courant des problèmes de la planète. D'abord, l'avenir de qui? L'avenir de quoi? Enfin, quelle est l'échelle à laquelle on se pose ce type de questions? On peut se la poser au niveau de sa famille, de son entourage immédiat. On sait qu'un tel va bientôt mourir ou bien que nous-mêmes on est fragiles, etc. On peut se préoccuper de son petit moi et on peut être plus ou moins optimiste de ce point de vue-là. On peut se préoccuper de sa nation parce qu'on est citoyen d'un pays.
On peut se préoccuper de l'Europe parce qu'on est dans des pays maintenant qui font corps avec un ensemble géopolitique qui s'appelle l'Europe. On peut s'intéresser à la civilisation occidentale. Est-ce que la civilisation occidentale a encore de l'avenir par rapport à ce changement, ce bouleversement considérable de la montée de l'Asie, des turbulences en Afrique ? À quelle échelle on se pose ce type de questions sur l'avenir ? Est-ce qu'on parle, par exemple, est-ce qu'on a le souci de l'espèce humaine ? Je m'aperçois que beaucoup de gens refusent ce type d'approche. L'humanité, ça ne veut rien dire. L'homme, avec un H majuscule, ça ne veut rien dire. Donc, j'ai souvent rencontré une hostilité au discours catastrophiste des écologistes qui disait, mais ça ne nous intéresse pas, l'espèce humaine, la planète. Vous parlez avec des termes trop généraux qui, dans notre vie quotidienne, ne sont pas pertinents. Du tout. Hein. On croise les gens dans la rue, c'est évident qu'ils ne sont pas en train de penser à la planète dans le cosmos. Donc, on est préoccupé par des problèmes quotidiens, par des problèmes économiques. Il faut payer des factures à la fin du mois, des impôts, etc. Donc, je pense que la plupart de nos contemporains sont tout simplement dans un horizon qui ne leur permet pas de sortir de ces préoccupations matérielles, de ces préoccupations quotidiennes. Et malheureusement, les quelques penseurs qui depuis longtemps se sont un peu élevés à ces préoccupations quotidiennes et ont essayé de regarder le destin de l'humanité, au fond, l'hominisation, notre sortie de la brousse, et on a fait des civilisations, des grandes villes, etc., enfin, qui ont cette vision extraordinaire de l'épopée de l'homme à la surface de la Terre comme d'une espèce qui, biologiquement, est en train de triompher. Mais son triomphe risque d'être sa perte, parce qu'on est trop puissant, justement. Je crois que c'est ça qui est derrière ce mot anthropocène. On est devenu tellement puissant qu'on a perdu les pédales et qu'on ne s'est pas freiné. On est en pleine accélération alors qu'on est au bord du précipice. Comment faire pour non seulement ralentir, mais faire demi-tour ? Parce qu'il y a les deux choses, on est sur une autoroute... on va de plus en plus vite, alors qu'en fait, il y a le copilote qui nous dit « Mais oui, mais on s'est trompé sur l'autoroute, on a pris l'autre direction. » Donc, il faut, avant de prendre l'autre direction, déjà freiner à mort. Et le terme de freiner à mort, on sait ce que ça veut dire, on peut se casser la figure. Donc, on est dans une période que je crois extrêmement dangereuse, extrêmement instable, où il nous faut une bifurcation radicale. Comment viendra ce moment où l'ensemble des gens, l'ensemble des décideurs, des leaders d'opinion, des masses médias, des chefs de syndicats, d'entreprises, etc., ces gens-là seront à l'unisson. Oui, ok, on ne peut plus continuer comme ça, tête baissée, aller droit dans le mur ou dans le précipice. Qu'est-ce qui va faire le choc ? Je n'en sais rien, car... Déjà, le 11 septembre, on a oublié, hein, le choc était considérable. La guerre en Irak, on oublie. Le tsunami, ici ou là, ou Fukushima, c'est déjà loin. Enfin, combien de catastrophes il nous faudra pour que fonctionne la pédagogie des catastrophes ? Hein, ce terme est de Denis de Rougemont, qui était président de cette association Ecoropa, dans un livre notamment qui s'appelle « L'avenir est notre affaire ». Est-ce que l'avenir, pour revenir justement à la question, est-ce que l'avenir est l'affaire des gens ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont cette éducation à la prospective. La prospective voulait regarder l'avenir... possible et futurible, comme disaient les deux Jouvenel, père et fils. Mais aujourd'hui, justement, il y a une accélération qui fait que l'avenir à long terme est de plus en plus proche. Donc, ce qu'on appelle la réflexion sur l'avenir, aujourd'hui, il est double, je dirais. Si on pense, par exemple, au réchauffement de la planète, qui ne va pas s'arrêter en l'an 2100, donc, si on réchauffe la Terre de 4 degrés en moyenne en 2100, mais qu'est-ce qui se passe après ? Ça ne va pas s'arrêter, ça va encore continuer.
Donc on est à la fois, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, en termes de quelle est la prochaine vague de chaleur qui va faire 50 000 morts en Europe, voire 150 000, quelle est la sécheresse qui peut sévir ici, quels sont les incendies terribles qui ravagent l'Australie, enfin bref, le nombre de catastrophes naturelles va augmenter en intensité, va augmenter en quantité, on le sait, c'est des modèles qui sont quand même très fiables, qui sont utilisés dans plein de disciplines, il n'y a aucune raison de douter de ça. Simplement, les gens pensent qu'ils vont passer entre les gouttes, que la catastrophe, ce n'est pas ici, c'est là, c'est ailleurs. Intégrer cette vision à la fois du long terme, qu'est-ce qu'on lègue à l'humanité? Parce qu'on n'a pas le droit de dire l'humanité va s'arrêter en l'an 2100. Or, de plus en plus, ce dérèglement du cycle du carbone, donc le réchauffement de la planète, ce n'est pas une affaire pour un siècle, c'est une affaire pour 10 000 ans. On a déréglé le système de telle manière que c'est parti, il y a une dérive anthropogénique de l'effet de serre. Et c'est ça qui est à la base du réchauffement moyen de la planète, qui est à la base des bouleversements des climats. Il faut bien voir la chaîne de causalité, les émissions de CO2, la destruction des forêts qui absorbent le CO2, la capacité limitée de l'océan d'absorber le CO2, d'accord, on touche le cycle du carbone des deux côtés. On réduit les puits qui absorbaient le CO2 et on augmente les émissions. Et depuis qu'on a signé le protocole de Kyoto, on n'a pas arrêté de faire exactement le contraire de ce qu'on avait signé. Donc je suis extrêmement pessimiste sur la capacité des Nations Unies, donc de l'Organisation internationale du monde aujourd'hui, de l'ordre international. Il faut revoir de fond en comble ce système sur de nouvelles bases, parce que c'est vrai que les Nations Unies n'avaient pas été créées avec la menace climatique. C'était la menace nucléaire seulement. Donc maintenant, il faut intégrer une nouvelle cosmologie sociale dans laquelle c'est la planète à l'intérieur du système solaire qui est pertinent. Et c'est là où il faudrait peut-être mettre un bémol sur toute cette vulgarisation scientifique qui nous parle de l'expansion de l'univers, des amas de galaxies. C'est joli, c'est bien, mais je suis désolé, c'est moins important que la science de la biosphère. Or, toute la vulgarisation scientifique met le paquet sur les astres qui sont très lointains et qui ne nous concernent pas. Nous avons des besoins urgents sur la planète. Autrement dit, redonner une urgence et une importance aux problèmes planétaires de cette planète-là, et non pas d'éventuelles planètes où il y aurait des petits hommes verts. C'est joli, mais on dépense beaucoup d'argent. Or, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Ce n'est pas vrai. Il est mal distribué seulement. Mais il y a plein d'argent. À Genève, c'est une ville, il y a plein d'argent. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour favoriser l'enseignement de l'écologie ? On parle beaucoup des problèmes d'environnement, mais où sont les cours, les enseignements de base, pas seulement pour les futurs naturalistes, mais pour toutes les disciplines, un enseignement de base en écologie pour tout le monde. Le béaba de l'écologie, pour moi, ça devait faire partie de l'éducation civique, comme on dit. Si on veut être citoyen, il faut aussi être citoyen de la planète, c'est-à-dire de la biosphère.